Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Crooks, The Big Heist. Vous savez, les petits cambrioleurs de nos cœurs. La dernière fois, on avait quand même réussi à les sauver, à les faire évader de prison, non sans mal pour la deuxième partie, surtout vers la fin, mais j'avais réussi. Donc, on est parti pour continuer l'histoire et voir la suite. Il se déplace, résidence secondaire, requête insiste pour que le soit dans... Ah oui, dans une résidence secondaire pour voler on ne sait trop quoi, c'est surtout le sous-sol qui l'intéresse. Allez, on est parti, mon kiki. Ça va être cool avec Rocket, tout ça, j'espère qu'ils sont tous... Notre prochain tour aura lieu dans ce qui ressemble à un petit bungalow, mais ce qui nous intéresse est en dessous. C'est qui le proprio? C'est mon ex. D'accord. Non, mais je rêve. Je bosse pour vous, vous bossez pour moi. C'était ça le deal. On ne sait même pas qui est ce type. Il a toujours attaché plus d'importance à ce qu'il gardait dans son sous-sol qu'à moi. Du coup, je veux savoir ce que c'est. Ah bah oui, d'accord. Je crois pas. On sait pas ce qu'il y a en fait. D'accord. Sérieusement, ce bungalow. Je croyais que tu aimais les hommes riches, Rocket. Ce n'est qu'une Justement, façade. À mon avis, en dessous. Ça doit être ouf. Il garde les plans de ses projets high-tech ici, sur cette table. C'est seulement grâce à ça que je suis au courant pour le sous-sol. Il y a un petit coffre-fort. Ça pourrait nous être très utile. Et j'aimerais bien connaître le contenu de ce coffre-fort là-bas. C'est un 2K700. Plus difficile à forcer qu'un modèle classique. Ah. L'entrée de son nid d'amour secret se trouve juste à côté. Nid d'amour. Allez, Cléo, un marché, c'est un marché. Une fois qu'on aura mis la main sur les plans, on descendra découvrir ce que ce salaud cachait là-dessous. Mon avis, ça va être gigantesque. Je n'ai entreaperçu une seule fois. Je me souviens qu'il y avait des interrupteurs partout, vraiment partout. Mais c'est tout ce que je sais. Plus un autre interrupteur énorme ici. Tellement gros que j'ai même pas pu l'actionner. Peut-être qu'avec du lubrifiant, ça marcherait. Ah, donc faut avoir du lubrifiant. De coude. Rocket, tu t'occupes des barrières optiques. Après tout, c'est toi qui sais le mieux y faire. Vous savez bien y faire aussi, monsieur von Lobkowitz. Quel manque de professionnalisme. Rocket, t'es obligé d'agiter toutes tes frasques sordides et tes coups d'un soir sous le nez de l'équipe? Tu crois pas que tu pourrais garder ça pour toi? Ah, il manque une lettre. Comme tu as une dette envers moi, disons que je m'amuse à te faire bisquer. Rufus, allez, arrête le suspense, tu veux. C'est quoi ça? Et l'ex de Rocket. J'ai promis de ne rien dire. Rufus! Désolé. Allez, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on aura trouvé ce qu'on cherche, je déballe tout sur le chemin du retour. Encore des surprises. Génial. Eh ben, va falloir faire avec. Ça a pas l'air énorme au niveau surface, donc à mon avis c'est un peu plus compliqué qu'on ne pense. Voler les plans, atteindre l'escalier maintenant le sous-sol. On est au P. Ah, on y en a que 3. Oh merde. Piégé que. Porte d'acier, crochetage des portes de ruine. Les portes d'acier détruites sont suspectes. Il n'est pas impossible à forcer, mais ni le pied de biche, ni la compétence crochetage des prévoyés ne le permet. Mais comment on fait? Elle va passer par là. Déjà, info sur les gardes, il n'y en a pas. En fait, il n'y a même pas de garde. Ah, il y a de la thune. Il n'y a pas de garde. C'est spécial. Alors, un standard pour faire de vous protège les positions d'autrui qui peut être forcé de différentes manières. Là, c'est la clé. Clé de porte d'acier. Donc, je pense que elle va rentrer là. Elle va prendre ça. Elle va ouvrir pour tout le monde. Ils vont prendre ça. Ça, c'est quoi du coup? Destructeur de capteurs après les casse. Puis ils vont aller là. Mais il faut quand même que j'ai le petit bishop. Hein. Ok, sous-sol. C'est quoi
quoi ça? Garde un armure lent mais robuste, il résiste aux étourdissements et aux chloroformes, mais pas au point de fer. Ah, s'il repère quelque chose de suspect, il dévie son itinéraire à la vadrouille. Ok. Point de fer, à mon avis, c'est Rufus. Donc, je serais obligée de prendre Bishop et Rufus. Si on n'a pas besoin de Lobkowitz, c'est pas mal. C'est, toi, il est pas énorme, ce niveau. Hein. Là, il y a plein de trucs. Ok. Outil étrange. Votre deuxième objectif, un objet de collecte de roquettes à abandonner sur place. Ok, c'est très bizarre. Interrupteur de sol. Désactiver. Ordre. Attends, ajoutez. Pensez à ajouter un ordre. Attends ici si vous voulez qu'il reste dessus. S'il lève le pied, le système connecté est réinitialisé. Certains interrupteurs de sol doivent être débloqués avant de pouvoir vous en servir. Ok. Lui, il regarde vraiment que là. Et j'ai besoin... Il va falloir y passer, ouais. Donc en fait, ça va jouer... Ah, Lobkowitz. Je vais prendre... choix de l'équipe. Donc déjà, on a Rocket. Je vais prendre Bishop et Rufus. Parce que Lobkowitz, je vais filer à un des deux le truc de la Tesla, la fourche. À elle, par exemple. Toi, t'as le point de fer, non? Attendez. Non, point de fer, je l'ai pas. Non, il l'a pas. Point de fer, on l'a pas encore. Peut-être que je vais pas prendre Rufus. Je sais pas. Parce que... Mais... Pas au point de fer. Sauf que j'ai pas le point de fer. C'est chiant. Donc en fait... Lui, il faudrait qu'on le dévie. Genre, on met le petit machin pouet-pouet, là. Genre ici, il va sortir pour aller voir. Et nous, on va pouvoir sortir. Ok, bon, on va... donc j'avais dit, elle avait la tourche fourche Tesla. Toi, ça c'est quoi? Ouf, porte coincée, porte de sécurité, porte d'acier. Ok. Toi tu vas prendre ça. Je sais pas. On va lui prendre ça. Il y a un brouillon de caméra. Vraiment, là, je vais un peu au pif, hein, si je fais de la merde. Je me rendrai bien assez compte. Mais de toute façon, c'est possible, je pense, de s'en sortir tout le temps. Bon, allez, bah, on est parti. Hein. C'est parti, mon kiki. On va galérer. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Regardez. L'endroit devrait être abandonné, mais il y a des voitures. Ça n'a rien d'une maison de vacances lambda. Allez, suffit d'entrer et des sous. De mettre la main sur les plans. C'est vachement bien fait. Les arbres et tout sont vachement beaux. Bon, alors il y a rien à craindre là, il y a quand même pas de... Il y a rien. Il y a de la thune ici aussi. Faut rentrer. Déjà, faut savoir rentrer. Bon, on va y aller. Pas par quatre chemins. Au travail. Hop. Et maintenant. Salut. Allez-y les enfants. Allons-y gaiement. Ouais, on a déjà gagné un truc. Alors oui, c'est vrai, c'est elle qui rentre, j'avais dit. Rocket. Voilà, et après tu peux ouvrir. C'est quoi le topo? Ouais. Serrure accrochetée? Oui.
Voilà, tout le monde est rentré. On est déjà... On a déjà fait une part du gâteau. Il y a 5 trésors. C'est vrai que ça n'a pas l'air... Bah non, mais je vais envoyer quelqu'un... Je suis prêt. Je vais envoyer Rufus, tu peux aller chercher. Bah non, pas là, hein, réfléchis. Voilà. Tu vas prendre ça. Une serrure à crocheter. Voilà, tu vas prendre ça. Ça y est, on a les plans. Alors, c'est bon, mademoiselle Rollins? Il faut qu'on prenne cet escalier là-bas. En je tiens à savoir ce qu'il a jugé préférable de me cacher. Et pourquoi? Je suis digne de confiance, non? Ouais, c'est ça. Rufus, tu peux venir là. C'est quoi le topo? Toi, tu vas t'occuper de crocheter. Toi, tu peux juste refermer. On sait-on jamais, je sais pas. Ah ouais, la lampe, d'accord. Ici, c'est ouvert. Oui. Bishop. On va faire le chalumeau. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça va faire du bruit? Mais il y a personne, on s'en fout. On est d'accord, hein, il y a personne. Hein. On a gagné beaucoup de thunes. Et ça... Il y arrive, il peut le faire du coup. Je n'étais pas sûr. Il y a quoi à faire dans cette place là? Oh, avec la petite culotte et tout. Ok, bah c'est tout. Non, non, il y a une arnaque. Il y a un truc que j'ai raté. J'adore la musique de ce jeu. Bam. Bah, je sais pas. La salle de bain, elle est accrochetée, mais je vois rien, moi. C'est qu'il y avait rien à y faire, c'était pour le plaisir. Ici, il y a rien. Ah bah, allez, on est parti. Salut. Hop. Bah, bizarrement, on est plutôt bien pour l'instant. C'est plus dur pour moi que pour toi. Ah, comment ça? Laisse tomber, on continue. Faudrait déjà savoir ce qu'on cherche. C'est vrai. Faudrait déjà savoir ce qu'on cherche. Une serrure à crocheter? Lui, il peut, hein, ouvrir ça. Ah ouais. Je veux... Je voulais faire quoi? Non, elle l'a pas encore le truc anaconda, je sais pas quoi. Alors, ok. Ça, ça active. C'est qui a le lubrifiant? C'est toi. Toi, tu vas lubrifier. Yes! Ça, c'est bon. Ah mince. On n'a pas d'autres chalumeaux. Non, on n'en a pas d'autres. Alors, parce que bon, j'ai pas encore étudié trop le truc. Ici, c'est juste fermé. Tim. La porte ici. Tadada. Ouais. Il peut venir là? Non, il peut pas. Ouais. Il y a ce truc là. Bishop. Je suis prêt. Tu peux prendre ce truc. Je ne suis pas apte à faire ça. Ah bon? Ah non, c'est fermé. Ah, excusez-moi, monsieur. J'avais pas fait attention. Il y a ça qui est tout connecté. Ouais. Mais on va peut-être avoir besoin de lui.
Ah ouais, ça actionne vraiment énormément de choses. Et là, on a la fourche Tesla. Ben, tu vas venir, en cocotte. Tu peux le faire, ça. Ah oui, c'est juste un truc simple. J'avais vu Lobkowitz à un moment. C'était sur quel truc que j'avais vu. Oh là là, moi je perds la boule. Je ne sais plus. C'est moi qui ai perdu la... C'est pas grave. J'ai acheté des trucs dont je n'ai pas besoin. On a plus la caméra ici. Mais on peut rentrer là ? Non, on peut pas. Si ? Porte à interrupteur. Non. Rufus ! Tu peux venir là ? On va voir ce que ça fait, hein. Ok, ça ouvre ici. Attendez, je regarde. Ça ouvre là. Et ici, ça fait ça. Donc, on a besoin de deux personnes. C'est quoi le topo ? Tu peux venir là ? Oui. Ah oui, ce qu'on pouvait pas passer. Merde! Ah non, elle a réussi! Vache! Attendez, parce que si lui, il est dessus, ça ferme la porte là. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Si toi, tu t'en vas. Ça rouvre la porte. C'est compliqué leur truc quand même, hein. Le truc s'est rallumé quand elle est passée. J'avais, en fait, c'est, elle le fait. Moi, en cliquant dessus, je pensais qu'il fallait faire l'action, mais en fait, non, elle le fait naturellement. Ok. Ah, mais elle peut passer là. Ouais, mais elle a déjà fourché Tesla et tout. Mais en gros, elle peut partir là. Ils peuvent partir. Viens là. Hop là. Ok. On arrive à la salle de douche. Ah, on arrive ici. Bon bah elle va aller prendre elle-même le truc. J'aurais pu envoyer Rufus qui était juste là, mais bon. Waterford, attention, si tu laisses tes empreintes digitales là-dessus, pas moyen de les effacer. Alors on l'emporte. Pourquoi ? J'ai dit on l'emporte. T'as pété un câble, serait. Ça se ferme, Rufus. J'ai décidé qu'on le prenait avec nous. Allez, l'ascenseur est par là. Donc ça, c'est juste la porte, là. Mais on a besoin de ça ? J'ai envie de dire non. Ouais, mais ils peuvent pas sortir tous en même temps. J'ai pas vu de sous, moi. Trésor. Ils sont où, les trésors, là-dessus? Ah. Bah oui, enfin là, je veux dire. Ouais. Là, on les a pas. Ouais. Que je dise pas de conneries. Parce que ça, là, c'est lui qui est bloqué. Non, bah, elle va prendre sa place. Serrure accrochetée. Alors. En avant. Au travail.
Ouais, j'ai bien fait parce que sinon elle allait se... Vous allez voir comme je suis sous. Alors toi, tu vas aller là. On est OP. Lui, il peut sortir. Non, il peut pas. Je comprends rien. Non, toi, tu vas là. Non. C'est elle que je voulais faire bouger. Oui. Ok. Non, j'ai pigé. Ça va barder. Est-ce qu'il est bloqué? Non, c'est bon. Ok, j'ai compris. En fait, parce que, je vous explique. Toi, tu vas du coup descendre de ton truc. Ça va réactiver Bishop et elle. Elle, c'est pas très grave encore. Mais ils peuvent aller ici. Quand lui va monter là-dessus. Non, bah elle est obligée d'aller là. Pour que Bishop puisse sortir. Voilà. On est OP. Et maintenant ? Lui, il peut normalement sortir sans problème. Ah mais... Ah ouais merde, mais elle en fait elle va rester coincée. C'est dès qu'elle va bouger. En fait elle est coincée. Elle pourrait sortir par là. Mais ça revient au même, elle peut pas sortir. Voilà. Donc, il faut qu'on rouvre la porte là. Mais non, tu peux pas. Tu viens là. Et je vais re-renvoyer Rufus. Si je dis pas de conneries. Mais je sais plus, moi. Non, parce qu'il accorde... C'est pas du tout la porte... Comment je vais faire ça? Oh non, c'est pas elle, en fait. Non, bah écoute, tu sais, mec. Elle, elle s'en fout. Elle peut passer à travers les faisceaux, là. Il faudrait... qu'on mette le petit truc à musique. Donc, tu vas revenir là. Ça là, pour que lui bouge. Tu vas venir là. Tu vas même venir là. Oui. Là. Je vais juste vérifier quelque chose. Rapidement, c'est que elle puisse faire le tour. Ouais, parce que s'il va là, je suis coincée aussi. Ou alors elle ira se planquer ici. On va y arriver. Elle va mettre ça. Je dis pas de bêtises. Elle a 5 secondes pour aller ici. Dans ce cas-là, je vais pas le mettre là. Je vais le mettre là. Il sera obligé de venir, le mec. Et lui, quand il sera là, elle va pouvoir aller désactiver. On va faire ça. En tout cas, on n'avait pas d'autre choix. Attention. Barre-toi vite, meuf. Elle peut pas y aller ? Merde ! Ah, merde ! Ah bah là, c'est trop tard. Elle va se faire tellement capter.
Oh merde! Oh non! Et bien sûr, le jeu va me remettre dans une position très hasardeuse. J'aurais dû me planquer là, mais bon, bah, j'aurais dû mettre là le truc. Trop tard. J'ai perdu. Et il est con le gars. Elle est là hein. Non mais. C'est qui toi? Vas-y par toi, par toi, par toi, par toi. Je sais pas ce que je fais, je le fais. Ça va pas être possible. Ah, j'ai réussi. Allons, mademoiselle Rollins. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il te méritait pas. Mais bon, vous avez fini. Je ne partirai pas d'ici avant de savoir ce qui fichait là-dessous. Roquette, quoi? Laisse tomber. J'ai l'impression qu'il faut actionner pas mal d'interrupteurs pour éclairer cette zone sombre. Alors, au travail. Mais c'est pas fini! Mais voilà, je me disais bien aussi que c'était trop simple. Sauf qu'on l'a pas eu dans le débrief. Oh la vache. Bon, d'accord. Bah, moi, je vais aller me prendre la tête maintenant. Et pour ce petit... Oh la vache! Mais non! Là, ce qu'on n'a pas eu dans le débrief, quoi. Donc, voilà. Bon, alors, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser pour cet épisode-là, cette première partie de l'ex de Rocket. Et je vous retrouve donc dimanche prochain pour la suite de Crooks. En espérant que cet épisode vous aura plu. Et puis, bah, allons-y, allons-y. Parce que là, ça risque d'être chaud. Hein. Là, je sais pas quoi je me frotte. Hein. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Des petites culottes et des soutifs qui traînent. C'est cool. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Salut!